Vous recherchez un auvent pour camping-car ou pour minibus, caravane, van, etc. Mais vous ne savez pas lequel choisir. Eh bien, vous êtes tombé sur la bonne vidéo car c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce top 3 comparatif des meilleurs auvents qu'on peut retrouver sur le marché. Donc, pour vous permettre de gagner de l'espace si vous êtes en camping avec votre camping-car par exemple, pour avoir en gros une sorte de pièce en plus qui vous permettra de mieux vous sentir lors de vos séjours. Donc on va voir les modèles les mieux notés sur le marché aujourd'hui par ordre de prix décroissant, en espérant qu'un modèle vous conviendra. Si vous voulez voir plus d'informations en tout cas sur un des modèles qu'on va voir, il y aura tous les liens juste en dessous dans la description de la vidéo pour en commander un ou juste aller voir ça plus en profondeur. On commence donc avec le premier qui est le Quido Quick Motor Free, donc auvent pour camping, que ce soit pour une caravane ou un camping-car. On aura donc une tente auvent pour minibus et autres en pose libre, avec un temps de montage de seulement 2 minutes, avec, vous verrez, à la fois une cloison sur les côtés, en haut pour protéger de la pluie, etc., et même au sol. Donc c'est vraiment un auvent complet. On aura une colonne d'eau de 4000 mm, donc avec une tente qui sera étanche, testée pour être résistante à la pluie, avec des coutures qui sont vraiment scellées, un montage et démontage rapide, avec une hauteur de montage entre 175 et 210 cm, une grande fenêtre à rideaux avec une ouverture complète de la tente, une zone d'entrée protégée avec une moustiquaire. Donc c'est un modèle qui n'est pas donné en termes de prix clairement, mais qui est vraiment complet. C'est vraiment un auvent de grande qualité qui vous permettra d'avoir un espace plutôt important. Donc on l'a dit, la hauteur ça peut être jusqu'à 2,20 m. Et sinon pour la taille du auvent, la taille de la pièce entre guillemets que vous allez gagner, ça doit faire un petit peu moins de 10 mètres carrés. On est sur du 3 mètres par 3 mètres, enfin 3 mètres 20 par 3 mètres 20. Donc voilà, ça doit être un tout petit peu moins de 10 mètres carrés tout simplement. Donc c'est clairement un modèle qui est très intéressant. Pour avoir plus d'informations dessus, ce sera donc le premier lien dans la description sous cette vidéo. Un deuxième que je vous présente, qui sera déjà plus accessible, c'est la Scandica auvent avancé autoportant pour bus, minibus ou van, etc. C'est plus indiqué de ce côté-là. Donc il est un petit peu similaire au précédent, mais il est déjà beaucoup moins bien noté cette fois-ci. C'est 3,9 étoiles sur 5, ce qui reste assez bien, mais clairement c'est moins intéressant. Donc c'est un auvent qui fera une surface de 3 x 3 mètres, donc 9 mètres carrés au total, avec une hauteur de 225 cm. Donc c'est à peu près la même taille que le précédent, avec un espace de couchage confortable pour potentiellement 4 personnes dans ce auvent si jamais vous êtes nombreux à séjourner, que vous avez des invités, etc. Avec un tapis de sol cousu avec une moustiquaire sur 3 portes pour vraiment avoir un bon confort, éviter les moustiques pendant la nuit. Une fixation sûre qui ne va pas endommager le véhicule. C'est du matériau qui est très épais, qui sera vraiment résistant. Donc c'est aussi un modèle intéressant. C'est vrai qu'il est quand même bien moins cher, donc ça peut être quand même un argument très positif. Pour avoir plus d'infos, ce sera donc le deuxième lien. Et on termine avec le Quido, donc la même marque que le premier modèle. Donc auvent, cette fois-ci, beaucoup plus minimaliste. Ça a quand même pas grand-chose à voir avec le premier. Alors il est très bien noté, il a 4,5 étoiles sur 5, sur plus de 500 évaluations. Il est aussi bien moins cher que le premier, mais cette fois-ci c'est tout simplement juste une bâche, donc qui certes vous permettra de vous protéger de la pluie potentiellement, de protéger la hauteur, mais par contre il n'y a pas de, entre guillemets, d'espace sur les côtés, il n'y a pas d'espace de tissu au sol, donc c'est quand même bien différent. Mais après, ça peut être pratique. Par exemple, vous avez votre van, vous voulez un espace pour pouvoir manger dehors, même s'il pleut, pouvoir vous poser comme ça. Ben, ça peut être suffisant si vous ne recherchez pas vraiment, entre guillemets, une pièce en plus à vivre. Donc pourquoi pas? Et évidemment, c'est donc beaucoup moins cher. On a maintenant terminé pour ce top 3 comparatif des meilleurs auvents pour camping-car ou pour van, etc., caravane, qu'on peut retrouver sur le marché. Donc si un de ces modèles vous intéresse, comme je l'ai dit, il y a tous les liens en description. Donc cliquez si vous voulez en commander un ou voir plus d'infos, voir les prix exactement, constatez vous-même les évaluations clients, il y a les prix par ordre d'apparition des modèles. Et moi j'espère que cette vidéo aura pu vous faire gagner du temps pour votre choix. Si c'est le cas, eh bien tant mieux, passez une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée. À très vite, à la prochaine. Ciao.